Allez, salut à tous les amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien. Ça trash dès le début à l'intro. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Civilization 5 pour une méga session de la mort qui tue de 2 heures. Oui, pour nous, une session de 2 heures et on va enfin moi je vais diviser ça en deux épisodes d'une heure. Oui, c'est les vacances, alors je vois les choses en grand, très grand, grand comme ma. Enfin voilà, vous m'avez compris. Donc du coup, faites place à la puissance nucléaire. Aujourd'hui, ça va défoncer sa maman. Attends. Viens voir dans ma capitale. Enfin, juste à côté. Donc sinon, les gens, bonjour à vous. Ah oui, c'est vrai. T'étais là. Pardon. T'étais là. J'avais oublié. Voilà, donc pour moi aussi tout va très bien, si ce n'est que Learn to Play est vraiment un vieux sac. Non, c'est pas vrai. Je vois pas quoi te... Non, je vois pas pourquoi pas du tout. Enfin, pourquoi pas du tout. Enfin, je veux dire. Voilà. Sinon, je suis ravi de faire votre connaissance, les viewers de Learn to Play. Donc sachez que si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver les mêmes épisodes sur ma chaîne, avec un tout petit peu de retard, parce que moi je mets juste 25 oui. 000 ans à monter mes vidéos. Tout à fait, c'est exact. Voilà, si jamais vous n'êtes pas content, n'hésitez pas non plus à lui laisser un pouce rouge parce qu'avant de commencer son point de vue, il a osé chanter du Nadia. Avec ah oui. Et c'est parti pour le show. Non, ne remémore pas des choses dont je ne suis pas fier, s'il te plaît. Ce sont ses paroles, hein. Vous pourrez voir directement sur mon point de vue parce que moi la vidéo a commencé depuis 10 minutes déjà. Je ne vous mens absolument pas. Ouais, voilà. Donc t'as fini? Tu peux venir voir très bien aussi. Tu peux venir voir sur ma capitale 2 secondes. Qu'est-ce qu'elle a ta capitale? Tu vois la petite montagne qui est juste devant? Ouais. T'as vu, il y a un château dessus, c'est le château de Nunchvenschnein là. Oui. C'est classe, oui. Hein. Ah, c'est pas mal, ouais. C'est sympa. J'avais pas fait gaffe. Bref. On reprend le tour. Attends. Grosse information. Les Portugais sont en train d'envahir les Japs. Cool. Ils ont déjà pillé des mines de charbon, ils ont ramené des lance-missiles SAM. Cool. Et moi je suis encore avec mes Gatling et mes petits fusiliers. Cool. Non, moins cool ça. Ouais, c'est moins cool. Ah, mais j'ai les Marines qui arrivent. Mais je peux quand même pas pénétrer sur leur territoire puisque je suis en paix quoi. Ah, t'es en paix toi maintenant? Bah avec eux oui. Donc les amis, grande nouveauté, la Learn to Play est en paix. Oui, c'est une matière très résistante. Ah, une matière, la paix. Oui, c'est la paix. Ah, la paix s'il te plaît, c'est la paix hein. Bah. Moi je me méfie parce que autour de Truro là-bas je vois plein d'unités pacaliennes. Des pacaliennes hein? Ouais, pacaliennes tu dis, dis-tu? Ouais, pacaliennes. T'inquiète pas Robert, tu vas voir ce qu'on va me faire. T'inquiète pas Robert, regarde, attends, je bouge mes troupes, je les masse. Ah mais non, mais du coup alors on a dit que on attaquait pas Cal. D'accord. Ah eh oui, il faudra donc attaquer Pacal, il oui. Faut que je revienne tout derrière. Allez, ben Rob. Berlin est premier avec Mosek Muta, franchement, je m'en méfie comme de la peste noire de ce mec-là. Les Russes sont tout derniers, il me semble, en population, hein. Bah, les Russes sont derniers en population, ils sont derniers en PNB, ils sont derniers en territoire. En fait, ils ont que 2 ou 3 villes seulement. Je crois qu'ils ont que Moscou et Saint-Pétersbourg et nouvellement Novgorod. Ouais. Voilà. Hein. Bref, ils ont rien. Ils ont rien. Je pense, espionner l'Indonésie de mon côté. Est-ce que tu penses que ce serait utile un sous-marin nucléaire? Bon, disons que ça a son utilité, hein, voilà. Hein. Donc, étant donné que nous avons un nouvel espion, je vais déplacer le mien, je vais le mettre sur Médan. Ah non, pardon, c'est pas un sous-marin nucléaire, autant pour moi, j'ai confondu. Non, c'est un sous-marin classique, mais c'est un sous-marin quand même. C'est dommage que les... Bah, c'est dommage qu'il n'y ait pas, par exemple, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ça aurait été cool. Il y en a, il me semble. Ouais, moi aussi, il me semblait qu'il y en a, mais... Oui, un navire marchand japonais, ça. On part sur quoi, vu qu'on a fini théorie atomique, Jean-Guy? Je te propose de partir sur balistique. Putain, combustion quoi. On l'a même pas fait, combustion. Non. Pénicilline non plus.
Bah écoute. Perso, on part sur balistique, ensuite combustion et ensuite pénicilline. Oh. Allez hop. Ok, j'attaque combustion, tu fais balistique. Ok, c'est parfait. Docteur Grigs travaille désormais comme espion. Ah bah j'ai Docteur Grigs qui travaille pour moi. Je l'envoie chez les Arabes, ça te dit ou pas? J'en ai un, c'est chez les Arabes. Byzance, non. Faudrait commencer à espionner d'autres civilisations, non? Ou alors j'envoie un... Non. C'est quoi la capitale de... Pardon, de... Comment ça s'appelle? De Pascal. Des de Mayas. Pascal? Ouais, c'est bah, quoi? C'est Palenque. Ah, c'est Palenque. Ok, bah j'en ai pas, je vais en envoyer un. Bah, moi j'en ai un, Palenque. Ouais, mais je vais quand même... Ah, attends, vous souhaitez faire de cet espion un diplomate pour devenir diplomate? Ah, mais non, on est en paix, je suis... Putain, comment je... Oh, je peux pas. Attends. Non, c'est bon, échappe. Non, finalement, en fait, je vais... Si. Bon, attends, je vais... Attends, diplomate. Pour devenir diplomate, un espion... Non, mais je vais en faire un espion. Allez, hop. Voilà. Ok, bon. Bah, comme je t'ai dit, du coup, je ramène tous mes marines... Et mon artillerie dans le... Vers Pascal, vu que les Portugais s'occupent un peu des Japonais, on pourra repasser dessus après. Qu'en penses-tu? Écoute, moi je suis à Palenque, ils sont à une seule étoile, d'accord. Bah du coup, bah... Les Mayas, donc je vais essayer de déplacer ça un petit peu ailleurs. Ok, bah j'arrive, je prépare tes troupes, je prépare les miennes et... Je vais déplacer ça sur Chichen Itza. Je vais déplacer mon espion sur Chichen Itza parce que franchement, à Palenque, c'est pas le top. Ouais. Mais du coup, on va pouvoir inaugurer la bombe nucléaire. D'abord, il faut faire la oui, prochaine Manhattan. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Il faut ensuite de l'uranium, bien entendu. Ah, putain, ça c'est un autre détail. J'en ai juste ici, mais le problème, c'est que... Ben voilà, c'est à une case et je peux... Enfin, putain, j'en ai vraiment pas. Hein. Va falloir que tu m'en échanges, hein, Jean-Guy. Hein? Quoi? Enfin, que tu m'en... Ouais, qu'on fasse du commerce ensemble. Hein. Oui, je sais, c'est terrible, mais on est obligé. Grave. Ah, attends. Peut-être que les Portugais. Oui, les Portugais ont de l'uranium. Tu crois que je peux leur filer du pétrole? LOL! Attends, mais je leur propose 5 de pétrole, ils me proposent 4 d'uranium et en plus, ils doivent accepter l'ambassade. C'est pour moi ça ou c'est pour eux? Quand il y a accepter l'ambassade de leur côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils acceptent mon ambassade? Non, ça veut dire que tu acceptes leur ambassade. Il me semble. Franchement, ça pose un. Je peux pas leur déclarer la guerre après? Si. Ok. J'accepte votre offre. Ok. J'ai 4 d'uranium. Plus le petit gisement que j'aurai ici, plus 2, ça me fait 6 d'uranium. Pour l'instant, hein. En échange de pétrole. Bah, on va pouvoir passer le premier tour, hein. Attends, je sens que ça va être une soirée, mon gars. Oh là 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 là. Oh là là, il va y avoir du sang. Oh putain. Tour suivant. Je sens que cette journée va être une pure soirée et on fait ohé oh 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 ohé oh. Ouais mais moi tu vois c'est fatal ouais, de suite. Ouais c'est... ouais. Ouais bah ouais moi c'est fatal. Ouais tu vois, ouais c'est ouais. Fatal. Je suis quelqu'un de fatal. Bon, d'accord. Non mais ouais ouais ouais. Ouais faut faire gaffe aux barbares aussi. Hein. Ouais je sais il y en a un petit peu partout. Puis moi je suis à 8 de malheur en plus sans déconner. Oh là là. Putain, j'ai deux artilleries. Oh, ils vont prendre cher. Moi, je suis en train d'en former quelques-unes d'artillerie, mais d'abord, c'est pour la défense de mes villes, parce que je sais pas pourquoi, mais je le sens mal, l'histoire. Ce que je te propose de faire, c'est vraiment de les entourer aux frontières. Enfin, je vais poster toutes mes unités juste à leurs frontières, et puis d'un coup, toi, tu feras de même du côté Truro, et d'un coup, je lancerai l'assaut. Et ils seront obligés soit de reculer... Non mais je sais pas si t'as vu mais ils sont déjà au niveau de mes frontières. Oui mais justement, soit ils reculeront, soit tu devras le tenir pendant ce temps, moi je vais les défoncer. Hein. Mais à mon avis ils reculeront. Hein. Je vais prendre salve, tiens ça peut être utile pour de l'artillerie. Allez hop. Ouais, en plus de ça, ces unités peuvent se déplacer très très rapidement. Bon, les chemins de fer ne sont pas encore tout à fait terminés, mais bon. Donc les amis, nous avons découvert Tenochtitlan. Tenochtitlan, ah ça c'est la capitale des Aztèques ça. Eh, culture Jean-Guy, culture. Prends-en de la graine à hein, Robert. Hein. C'est pas comme si c'était marqué sur la carte.
Hein. Non mais même, j'ai même pas regardé. J'ai même pas regardé, je te dis, je... Si je... Avec ah, Smack, si je vais essayer de faire une double route, mais il me faudrait plus d'ouvriers en fait. T'aurais pas des ouvriers en rap par hasard? Perso, je m'en sers, enfin... Je regrette les 5 que je t'ai passé là. Oh, ça va, hein. Bon, ça t'a pas tué non plus, hein. Si. Le menteur. Ici, il faut absolument que je fasse quelque chose là. Ah bah oui, c'est grave, hein. Faut que tu fasses quelque... Voilà, ça commence. Il y a toujours un moment où je pars en couille, en fait. Moi, vous remarquerez, les gens, que ce coup-ci, je n'ai absolument rien dit. Hein. Le sous-entendu ne vient pas de moi, qu'on soit bien d'accord. Le sous-entendu que sur... Moi, tu pars en couille, ça veut dire quoi, ça? Oh juste là avant, on dit, on va tous les niquer. Là, le mec, il dit, il part en couille. Non, mais attends. Là, moi, je dis, oh là là, t'es parti loin, mon chien. T'es parti loin. Il va dire, oh bah... Heureusement que je pars loin, parce que sinon... Un phare. Ah, je vais faire un phare ici. Après, je partirai. Nijmegen, machin. Suis-je toujours le premier en démographie? 45 millions. Bah oui. Bah oui, c'est moi. Bah ouais, oh, moi... c'est Bibi le premier. En soldat, je suis bon dernier, moi. Malheur. Oh. Oh, trop bien. Les caravanes, c'est des camions maintenant. Oh, j'adore. J'adore. Non, mais j'adore. Sérieux. Ah, on voit des camions américains, sauf que ça le fait pas trop pour l'instant. Comment on lance le projet Manhattan là? Ben moi je l'ai lancé sur Edinburgh. Pourquoi je peux pas le faire? Je crois qu'il n'y a qu'un seul de nous deux qui peut le faire. Ah d'accord, tu veux pas que je le fasse? Non. Il te faut combien de tours? 12. Non mais sérieux, il m'en faut que 7. T'inquiète pas, ça va accélérer bientôt. Non mais sérieux. Qu'on perde pas de temps. Parce que moi, pas, je peux ça pas va accélérer le faire, bientôt. Mais comment ça va accélérer? Ah, déjà... t'as l'ingénieur. Oui, j'ai l'ingénieur, oui. J'espère qu'au prochain tour, je pourrai le boucler. D'accord. Bon, ok, bah j'accepte. Si je peux pas le boucler, en ces cas-là, je te laisserai le faire. Bon. D'accord. Par ouais, contre, je suis à 9 de malheur, moi, sans déconner. Oh là moi, là. Je suis à 1 de malheur, ouais. Je suis vraiment de la mouise, moi. Par contre, tu trèches pour se développer 258 tours. Oui. Accord proposé. Comment ça, accord proposé? Qu'est-ce que tu viens me teinture? Non, je refuse. Attends, deux secondes, je regarde. Ouais, si, je peux t'en offrir. Ouais, ah, tu merci. M'as fait passer dans le bonheur. Merci, parce que sans déconner, je suis plus qu'à 5 de malheur, là. Non, mais c'est tout à fait normal, voyons, entre collègues. Quel arnaqueur, celui-là. Ce mec est un voleur. Ouais, c'est ça. Je veux dire, entre amis, on peut se faire confiance. T'inquiète, l'uranium, je te le vendrai, mais plus qu'à prix d'or à toi. 200 or l'unité. Ouais, bien sûr, on fait comme ça, Robert, on fait comme ça. Hein. De toute façon, je t'ai vu dans tes vidéos. Je te retiens. Tu gagnes 1500 or par tour, c'est bon, hein? Non, ça va pas ou quoi? Je gagne que 166. Oh, hein. Falsifie pas les chiffres. Bon, tu passes le tour, Jean-Guy? Attends, je regarde. Hey, c'est fun, ouais, on a des camions avec des chameaux dessus. Pour les caravanes. Oui, c'est l'icône, c'est un chameau, mais ce sont des camions. Oui. Non, pas l'icône, je te parle sur les camions, carrément, il y a des... Bon, bref. C'est pas grave. Ah personne oui, exact, en dessin sur les camions. Ah, fait, tu il vois. Y a des caravanes en dessin sur les camions, d'accord. Voilà, tu vois. Bon, je te l'accorde. Non, mais, je veux dire, tu fais comme les parentés. Non, mais tu t'exprimes mal, de toute façon. Exactement. Alors, ouh, je passe à 3 de bonheur, what the fuck. What the fuck? Oh, prochain tour, je vais pouvoir adopter un nouvel truc là. Et Martin recrue a réuni suffisamment d'informations à Lisbonne pour voler une technologie au Portugal. Yes. Alors qu'est-ce qu'on vole? Combustion. Non, on vole pas combustion. Essaie de voler. Non mais je peux pas. J'ai pas le choix. Ah bon? J'ai balistique ou combustion? Je suis en train de faire balistique. Je prends combustion. On va pas se faire chier. Et pénicilline, tu peux pas? Bah non. Ah merde. Bon, non. Sinon, mon ingénieur illustre ne peut pas accélérer la production du projet Manhattan à Edinburgh. Bon, bah, je le fais, alors. Bah, il me reste 10 tours. Non, je le fais, allez, fais pas chier. Donc, je vole une technologie, on est d'accord? Oui, vole la combustion, oui. Allez, hop. Voilà.
Vous avez découvert combustion. Et j'ai découvert Marie Première complote en secret contre vous. Bon, je m'en fous. Hein. Marie Première construisait le grand pare-feu à Lisbonne. D'accord. Le grand quoi? Le grand pare-feu. Vous avez découvert la combustion. C'est une technologie de foutoir de malade mental, ça. Albert Einstein. D'accord. Ah, génial, tout homme qui peut conduire sans risque en embrassant une jolie fille ne donne simplement pas au baiser toute l'attention qu'il mérite. J'ai libéré la théorie atomique. Ah, cool. Ben, le projet Manhattan, là. Pardon. Ah, mais les Japonais, ouais. Ils ont des cuirassiers et tout. 8 tours, déconner, allez hop, quoi. C'est parti. Il va falloir que je masse une armée de bateaux. Bateau, je peux t'aider à la... Non, ouais, non, j'ai pas des ports assez développés pour ça. C'est toi le port. Pardon, je t'en prie, s'il te plaît. Je t'en prie, non, je t'en prie pas, justement. Hop. C'est que ça va me coûter bonbon quand même, les rails. Hein. Mais c'est, j'arrive à bouger mes troupes vraiment rapidement, ça je... C'est vraiment énorme. Les réseaux de route. Et Sio est déjà en train de se faire attaquer. Les Japonais ils prennent très cher. Hein. Oh, ça tombe bien, ça va les occuper. Ouais, alors, à Zupfen. Cool, qu'est-ce qu'on peut faire, Zupfen? Zupfen. Ouais, j'ai toujours du mal à le prononcer. Un moulin à vent? Une bibliothèque. Une bibliothèque, ça peut être pas mal. Ouais, le phare là-bas. Ici, toujours la voie ferrée. Ah oui, alors mes artilleries. Ça commence à arriver, hein, niveau troupe, Patrick. C'est cool, moi je suis en train de faire des ouvriers pour arriver à réparer tout ce qui est cassé sur mon territoire. Pascal a des putains de marines là, proche de mes terres, là ça me fait flipper là. J'ai peur! J'ai trop peur! Pascal, moi il a 3 unités de marines, il a des bateaux, les Japonais à côté ont des cuirassiers, ils ont tout ce qu'il faut pour m'embêter quoi. Ouais, c'est un ouf le mec, c'est un malade, je te dis. Est-ce que je fais des véhicules, des tanks, enfin des véhicules terrestres, en gros des tanks de la Première Guerre mondiale, tu crois que ça vaut le coup? Je sais pas. Ah là mec, je suis à 5 étoiles. D'accord. Le mec en a rien à foutre. Vous savez, je suis à 5 étoiles. Oh, allez, je vais en faire un, pour le LOLs. Hein. Au moins, c'est quand même puissant et bon. Ça demande du pétrole. Allez, ouais, c'est vrai que... Bon, allez, encore des Marines. Je fais quand même un porte-avions à Groningen. On sait jamais, ça peut être utile. Et moi, de toute façon, la navigation, c'est pour ça que je suis en train d'installer des villes côtières. Avec Inverness et Glasgow et Ramsey, Swift. Ramsey aussi. Ramsey. Et Swansea aussi. Sauf que c'est de l'autre côté de la map. C'est ça. C'est ça. Donc c'est pas très utile, effectivement. Je suis en train de relier ces deux villes entre elles avec des chemins de fer. D'accord. Oh putain, je suis à 39 citoyens à Amsterdam. Là, je vais bientôt atteindre 40, je suis le premier. Ma capitale, c'est la première, t'imagines? Ouais, c'est pas mal. Allez, on passe le tour et je peux choisir un nouvel ordre. Ouais. Ah, cool. Ou alors une doctrine. Ouais. Mais alors, lequel choisir? Encore un tour qui va durer 30 ans. Je sais pas pour toi, mais là, j'ai vraiment envie de jouer, là. J'ai vraiment envie de le défoncer, là. Alors, bon... Organisation des Nations Unies s'est réunie, votre délégation attend vos ordres. Bon, qu'est-ce qu'on fait? La Russie propose de bannir les ressources de luxe, clou de girofle. Ah oui, j'avais oublié que ça existait. Enfin, oui, je veux dire que ça existait dans le jeu, hein, bien sûr, pas que ça existait en vrai. Heureusement d'ailleurs. Marie Première propose d'embargo pour les maillages, accepte. 6, je mets mes 6 délégués sur l'embargo des. Pour mettre un embargo sur les maillages. D'accord avec toi. Engager les délégués. Voilà. Dès que je pourrai le faire, je serai d'accord avec toi. Ouais, d'accord. Genghis Khan a achevé la construction du Pentagone. Oui, normal. Oui, ce sont les Mongols qui font le Pentagone. Ne cherchez pas. Un personnage illustre est né au sein de votre civilisation. Ah, j'ai encore un artiste illustre. Oh, il porte mon nom. Hein? Hugo Wolf. Il porte mon nom. Super. Oui, j'ai de l'aluminium. Ou alors, je porte son nom. Ouais, non, je déconne. Ce mec est un boulet. Non. Je dirais pas ça. Non.
Allez hop, c'est parti. Yes, yes, je suis dans le bonheur. Bien joué. C'est du bien sucre. Eh, bien joué, Robert. Bien joué. Ah ouais, non, mais galère, hein, sans déconner, galère. Hein. Je suis heureux pour toi. Tu m'en files un peu ? Non, je déconne. Tu me files un peu de ton bonheur, s'il te plaît ? Si je vais faire des marchés. Attends, elle est promue, c'était là. Terrain accidenté. Bon, ça ouais. Arrive, hein, ça arrive, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Nijmegen, qu'est-ce que tu vas me faire, Nijmegen ? Tu sers à rien, Nijmegen, en fait, hein. Tu peux faire une école publique éventuellement, il faut plus de... Oh là, c'est quoi cette ville là que j'ai trouvé? Bon. Alors, qu'est-ce que je prends? Je prends une doctrine ou poids? Ou poids? Ou poids? Ou poids? Ah oui, le commerce, faudrait que je termine. Genghis Khan a achevé la construction du Pentagone. Oh putain, le protectionnisme, c'est juste nawak. Plus 2 de bonheur pour chaque ressource de lutte. Attends, je regarde quel ordre, quel principe de niveau 2 je pourrais prendre. Bonheur local plus 1 pour chaque observatoire, école publique et laboratoire de recherche. Ouais, peut-être. Pourquoi pas. Autorité du parti, un point supplémentaire de nourriture, de production, de sciences, d'or et de culture pour chaque ville. Bon, c'est inutile. Les nouvelles cités démarrent avec 3 citoyens supplémentaires. Ah ouais, pas mal. Révolution culturelle, tourisme plus 34% pour les autres civilisations ayant adopté l'ordre. D'accord. Les usines augmentent de 25% la production de sciences de la ville. La construction des usines est 2 fois plus rapide. Production plus 2 par ville et... Putain, il y a des trucs pas mal. Bonus d'attaque, le corner des bâtiments diminue de 33%. Double les chances de vos espions de capturer des ennemis qui tentent de voler une technologie. Bonheur local plus 1 pour toutes les merveilles nationales. Est-ce que je prends un ordre, tu crois? Ou alors une doctrine? L'entrepreneuriat, apparition des marchands illustres. Ouais, j'aimerais bien avoir le protectionnisme. Je sais pas du tout, je peux pas t'aider. Allez, paf. J'ai pris dans le commerce. Entrepreneuriat. Parce que je veux avoir le protectionnisme, c'est trop pété comme truc. Ah. Pour avoir la max de, le max de bonheur là. Le problème c'est que j'aurais la... Faut que j'aille faire une mission. Je vais faire une mission commerciale, je suis teubé, faut que j'aille chez les Portugais pour faire une mission commerciale. Ça va me rapporter plein de thunes. La mission commerciale ne se fait que sur les cités-états. Oh, je suis deg. Notamment Kuala Lumpur qui est au milieu de l'océan. Ouais. Bah je vais le faire. Parce que je suis un ouf. Vas-y, fais-le. Bah je le fais, attends. Ouh, tu baisses d'un ton là. Je crois que je peux passer le tour. Moi j'ai ouais. C'est fait, j'ai passé le tour. Je t'attends. Moi aussi, bon allez, on va vite se presser pour la pour que le projet Manhattan se termine là. C'est ça. Bah tu l'as lancé de toute façon. Ah oui, plus que 6 tours. Donc, okay. Résolution promulguée, bannir ressources de luxe. Oh bah merde, le clou de Gérof est... c'est pas grave. Pacal complote contre Yanamu. Ah. Oh putain. Ça pue ça. Bon ça pue... Ouais. De toute façon à chaque fois ils complotent et ils entreprennent jamais rien. Et on est vachement remonté au classement, on est passé devant Gajamada et Pacal. Eh hey, ouais, putain, mais t'es toujours devant moi, je ne sais pas pourquoi, t'as plus de merveilles sans doute. Ah ouais, on l'a bien poutré le Maya là. Ouais, ça fait plaisir. Est-ce que je peux acheter? Non, je suis deck, je peux pas. Alors, a découvert qu'une armée Maya accompagnée d'une escorte navale a mis les voiles vers la ville portugaise d'Evora pour une attaque surprise. Mais a découvert non. Que Pacal complote contre moi. Amédan a découvert que Gajamada complote contre Bismarck. D'accord. Bien ces gens-là, moi je les aime bien. Oui, moi aussi, ils sont sympas, ouais. Franchement, ils sont très amicaux. Grave. Oh, je peux commercer avec les Japonais, attends. Pas mal, pas mal, pas mal. 16 heures par tour. Ah vas-y, Satsuma, attends. Yeah, c'est pas mal ça. Allez hop, fini les barbares. Oh putain, ils sont pas morts. Bande de sacs. Allez hop, j'avance toutes mes troupes. Ça va péter d'ici peu. Oh, du coup, tu sais ce qui se passe du coup là? Comment ça?
Ben, on ne peut plus du tout envoyer de caravane à Pakal. Comment ça? On s'en fout. Complètement. D'accord. Merci pour l'info. c'était utile. Ben oui, parce que du coup, moi, j'ai toutes mes caravanes qui sont revenues. Je me demandais pourquoi. Ah oui, en fait, c'est pour ça que t'es dans le malheur. D'accord. Bah, ça die. C'est con. C'est très con. Oh non, bien au contraire, je suis bien content, moi. Petit marché. Oh, ça va me faire de l'or, le marché. Comment ça, je peux pas... Non. Ah oui, non, pardon, c'est ça. Hop. Tu vas essayer de faire un sous-marin. Là, tu vas essayer également de faire un sous-marin, s'il te plaît. Je viens de savoir ce qui se passe. Moulin à vent, non? Université, ça peut être bien. Hop là! Une nouvelle ville de fondée, je passe dans le malheur. GG. Moi, j'ai envie de construire encore des stades. Je maximise les stades, si je puis dire. Projet Manhattan dans 6 tours. Bientôt la bombe nucléaire, mon très cher Yalemu. Bientôt. Bientôt la puissance. Bientôt la guerre. Je construis l'ouvrier qui ira exploiter les 4 uraniums à côté. D'accord. Et je pourrais peut-être faire le nécessaire, ouais. Bientôt la guerre. Non, mais voilà. Je suis vraiment pas prêt pour la guerre, hein, par contre. Session à venir déjà. Bah oui. Oh. Par contre, du coup, je gagne plus que 25 ors par tour. D'accord. Je suis en guerre contre les Japonais. Non, c'est un bateau de commerce. J'ai eu peur. Pardon, qu'est-ce que tu m'as dit il y a 2 secondes? J'ai pas. Je ne gagne plus que 25 ors par tour. Je suis à 142, moi. J'ai 5300 dans mes coffres. Embargo Allemagne? Attends. Embargo Allemagne, ça ne voilà, servira à rien. Voilà, j'ai 16 d'or pour avoir défoncé ce truc barbare. N'empêche, ils me défendent avec leur flotte, les Portugais. Même si ça fait un peu... C'est un peu oppressant, d'ailleurs. Putain, mais t'as plus de villes que moi, maintenant. Ouais, je suis en train de provoquer une expansion radicale. Ah ouais. T'es combien au classement démographie? Une idée. Ben, regarde. Je vais te dire ça de suite. En population, je suis deuxième avec 32 millions. Et toi, t'es premier avec 50 millions. 50 millions, ouais. Bah écoute, en territoire, je suis sixième et le premier, c'est le japonais. Je vais fonder d'autres villes ici, là. Le sud, là, vers Pakal, j'ai envie de conquérir cet endroit. Et j'ai pas beaucoup de villes comparé à toi, c'est chaud, hein. Mais moi, les miennes, elles sont très peu développées. C'est vrai que j'ai deux grosses... J'ai Rotterdam à 27 et Amsterdam bientôt à 40. C'est vrai que c'est pratique. Ah, j'ai mon unité d'artillerie ici pour me défendre. Eh, j'ai un porte-avions. Toi, tu t'installes. Alors, un dégagé. Alors, barrage. Toi, tu vas faire une mine. T'installes. Tac. Et je fortifie. Je continue à développer le réseau ferré, hein. Très important. Regardez-moi comment j'arrive à faire la, en quelques tours là. Bon, là c'est encore assez long, c'est vrai. Mais j'arrive. Ouais. J'arrive à avancer, n'empêche. Alors, est-ce que tout ça a avancé? Tac, je regarde. Reste encore lui. Bon. Non, ça avance bien, je suis satisfait. C'est vrai que c'est. Putain. Ça y est, j'ai les 4 premières unités d'uranium. Génial, bien joué. Ouais. Bientôt. Chantier naval, non, je m'en fous. Bah écoute, Groninger, tu vas me faire des mitrailleuses. Ah, ouais, ça c'est bien les mitrailleuses. Alors on part sur quoi? Pénicilline, arme combinée qui nous permettra de faire char, canon anti-char, pentagone, bon ça il est déjà fait, radar qui nous permettra de faire bombardier, chasseur, parachutiste, aéroport. Ah je savais pas ça, c'est avec les DLC ça. Pénicilline, fusilier marine, laboratoire médical. Tu veux partir sur quoi? Bah ce qui nous rapporterait le plus franchement c'est le radar. Allez, hop. Le radar pense. Avec les armes combinées. Mais du coup, ouais. Je vais t'aider sur le radar. Ok. C'est bien, là, on avance.
putain. On avance, on avance. J'ai la place pour aucun chef-d'œuvre. Ouais, cool, donc j'ai des ouvriers qui sont en train de, je suis en train de créer, masse d'ouvriers, du coup je gagne plus d'argent. Vous avez Jean-Paul. Non, rien. Ah, c'est bien là. On commence le début de la session, donc c'est soft. Voilà, on se prépare et puis après on commencera les hostilités, hein. Ouais, c'est vrai que là ça clash pas beaucoup ni rien, mais ne vous inquiétez pas les gens. Non, hein. Vous inquiétez pas, ouais. Quand on sera dans l'action, ça va. Ça va revenir. Mais là, pour l'instant, vous voyez, on est hyper sérieux, on est hyper concentrate. Ah ouais, là c'est... Ouh putain, attention alors, attention. Putain, je gagne plus que 115. Les Mayas et les Aztèques sont amis, d'accord. Les Mayas ont remplacé l'Arabie comme allié de Kuala Lumpur. Ouais, d'accord, dans un grand projet de travaux publics, chaque don d'or reçu dans cette période sera plus efficace et fourni... Ouais, bon, je m'en fous. Bismarck Moctezuma a fait la paix avec Kuala Lumpur. L'Allemagne et la Russie ont fait une déclaration publique d'amitié. Ok, Tilbourg possède 3 citoyens, le nouveau citoyen... Ok, ça je m'en fous. Alors, Maastricht. Putain, Maastricht s'est développé, hein. Mine de rien, je suis dans le bonheur encore. Nickel. J'ai une route commerciale qui a été pillée. Ah, par qui? Par les Arabes ou par... Par les barbares. Par les barbares. À tous les coups. Ah non, les Arabes, t'es allé avec... Non, t'es pas allé, t'es en paix avec eux. Pour l'instant. T'es en paix avec... Oui, ouais, pour l'instant. Donc je vais faire une banque ici, ouais. Ah non, Théodora a pillé la route commerciale établie par Haroun al-Rachid entre Médine et Douglas. Ah ok. Donc ça c'est Byzance. Ouais, bon moi je leur en veux pas. Hein. Alors, caravane, route précédente. Lisbonne, putain, elle est vraiment lucrative cette route commerciale. Il me faut des caravanes malheureusement, je suis encore dans le plus grand désarroi financier. Le désarroi finalement. Mais dis-moi si tu veux un peu d'argent. Hein. J'essaie de m'en sortir. Enfin, à la limite, c'est peut-être pas non plus super intéressant de t'en donner maintenant, mais quand si jamais t'en as besoin pendant qu'on sera dans le conflit là, quand on lancera les hostilités. Mais là, moi, j'essaie d'avoir du bonheur, j'essaie d'avoir plein de trucs, mais j'y arrive pas quoi. Pour l'instant, mon réseau de chemin de fer est vraiment, il se développe beaucoup là. C'est cool. Putain, je peux me déplacer vraiment. Oh, c'est chaud. Ouais. Ah, vas-y mon gars, si t'as un zoo à faire, tu fais ton zoo. Hein. Là, y'a pas de pitié là. Y'a pas de pitié. Putain, mais comment il a fait pour avoir un bateau de commerce ici, le mec? Tu m'expliques? Attends. Viens à côté de Maastricht. À côté de Maastricht, y'a un truc à voir. J'irai voir après. C'est quoi le... Comment il a fait le bateau? C'est quoi ce bordel? D'accord. Eh, faut que je fasse un bateau atelier pour la baleine et le poisson, là. Je suis stupide. Je suis stupide. Eh, faut que j'améliore ces unités aussi, ça coûte combien? 135? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, mais c'est quand même des soldes. Putain, ouais, ça vaut cher quand même. Vous voyez ici qu'il va aller par là. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, je vais pas me plaindre. Bon, vois-tu, je commence déjà à placer mes troupes aux frontières. Hein? Ouais. J'ai un char qui sera... Enfin, oui, un véhicule terrestre. Enfin, oui, c'est... Moi, je suis en train d'essayer de m'arranger pour à nouveau gagner de l'or, parce que là, sinon, ça va imputer ma science. J'aime pas trop ça. Fais des marchés. Non, mais tu crois peut-être pas que j'en ai partout des marchés. Ah ouais, je vois l'armée en marche, elle est trop fort. De quoi? Ton armée en marche. T'as vu? Ouais, c'est autour d'Arnhem. Ah, mais tu vas aller démolir les Mayas, toi. Bah, avec toi, attends, on est à deux, je te rappelle. Ah, mais moi, mis à part un tout petit soutien d'aviation, je pourrais pas faire grand-chose. Hein. Bah, justement, c'est ça qui est... Enfin, tu vas pouvoir me... C'est utile. Si tu veux, je peux ramener mes bombardiers aussi, j'ai pas pensé à ça. Bah, j'ai deux bombardiers sur Truro, personnellement. Ouais. Mais que deux pour l'instant, et là, étant donné que je suis dans la merde dans tous les sens. J'en ai un Maastricht, je pourrais les ramener, mais je sais pas si. Faut voir. Bah, tu les mets déjà sur Arnhem. Ou alors, on attend de finir radar. On attend de finir les radars et je te fais des gros bombardiers là, par contre. Ouais, finis les radars, ouais. J'aime quand on se prépare à faire la guerre et qu'on sait pertinemment qu'on va les défoncer.
C'est jouissif d'un certain point de vue, mais c'est un peu horrible aussi. Théodora, Catherine a fait la paix avec Kuala Lumpur, on s'en fout. En toute franchise, je suis plus en train d'essayer de redresser mes comptes, d'essayer de faire en sorte que ça aille mieux, que de préparer une véritable guerre pour l'instant. Ah ouais. Ouais. Ah mais c'est triste. Attends, je déconne. Bon, oui, tu... T'avances là ? Allô ? Ils ont fait la paix. Ah, faut lui laisser le temps, hein. Putain. La Russie et les Aztèques sont amis. Ça, c'est pas bon, ça. Non, ça, c'est pas bon. Bon, tu me diras... Eh, t'as vu notre classement ? On est dans les trois premiers, maintenant. Eh ouais, attends. Putain, mais j'ai aucune ville susceptible d'accueillir un... Oh là là. Un chef-d'œuvre. Bon, mon porte-avions, il va rester là pour l'instant. Ah ouais, je peux les mettre sur mon porte-avions, ça, c'est pas con. Mais bon... Pour l'instant... Ça coûte vraiment cher, les voies ferrées. Oh. Allez, on va commencer à étaler tout ça. Ah, je suis en train d'en faire des voies ferrées dans tous les sens. Moi, là, je suis en train de me ruiner. Ah, mais toi, c'est peut-être pas... Il faut que je les fasse. De toute façon, pour avoir un réseau défensif digne de son nom, il faut que je les fasse. Donc, j'ai pas vraiment le choix. Je te l'accorde. Je vais enfin pouvoir arriver à exploiter les... tu vas commercer avec la mec. Voilà. Ça me permettra de perdre un tout petit peu moins d'or, toi. Je suis à 6 caravanes sur 7, là c'est pas bon ça. Un truc que je fais qui peut également être utile, je sais pas, hein, on sait jamais, c'est que moi, toutes mes villes, elles ont une unité d'artillerie. Ah ouais. Je comme ça, si on cherche à m'attaquer, mec, il passe pas comme ça, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne idée. Aïe, 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 ah. La vache. Ah, j'étais dans une mauvaise position, là. J'ai mal au genou, là. Je perds 24 heures par tour. Ah ouais, merde. Je gagne 122. Foiré. Pardon ? Enfoiré, exactement. Exactement, vieux sac, va. Allez, dans 3 tours, le projet Manhattan aussi, terminé. Tu vas voir, ça va leur faire tout drôle. Comment ils vont nous manger dans la main juste après. Remarque aussi, ils l'ont, mais bon, ils savent pas s'en servir. Le mec essaie de se rassurer, tu sais. Ouais, je vois ça, je vois ça. Ce qui est bien, c'est que là où c'est que j'ai fait ma ville, j'ai 7 de pétrole en plus, du coup ça va me faire un paquet de pétrole. J'ai de la pierre qui va m'apporter de la plus de bonheur. Plus de bonheur. Oh oui. Plus de bonheur. Ouais, ça va être chaud. Ah, je suis passé sous la barre des 100. Ah non, c'est parce que j'ai une caravane qui... Ah bah l'accord stipulant qu'Alamu devait nous fournir des pierres précieuses et a pris fin. Ah, je suis à 5 de malheur. Ça te dit on rééchange un truc? Ah, je suis à 9 de malheur. Oui, donc on va rééchanger, hein. On est d'accord. Alors c'est quoi? Je te fournissais des pierres précieuses contre... Parce que moi il me faut plus d'argent là. Surtout au niveau des caravanes. Allez avance Coco. Oh. Ouais c'est chiant là. Alors, Gajamada devait nous fournir de la soie. Je sais pas quel est l'accord qu'on avait. De toute façon, je vais le trouver rapidement. Hein. Bah, pierre précieuse contre quelque chose, on s'en fout au pire. Hein. Oui, on s'en fout, mais bon. La plus grande quantité d'or, ça, avec la mec. Hein. Oh là là. T'as fait ta voie ferrée, toi? Bah, maintenant, tu dois la faire, la voie ferrée. Allez hop. Toi, là, tu vas ici la faire des voies ferrées encore. De la voie ferrée, mon pote. Hop, ça avance là, c'est la colonie quoi. C'est ça, on parle plus, mais on est tellement concentré que. Colonie. Waouh, qu'est-ce qu'il me fait là? C'est moche ça.
On est tellement concentrés que... Non mais on est trop concentrés quoi. Alors, oui, j'accepte. Ah, putain, j'ai quand même 3 de malheur. Hein. Ah ouais. Et mes revenus ont quand même chuté. Hein. Ouais, c'est chiant ça. Ouais. C'est très chiant. Laboratoire de recherche. Alors, Théodora voudra jamais rien échanger. Catherine, qu'est-ce qu'elle a échangé? Elle a rien à échanger. Elle m'a dit, va te faire foutre. Ok. Bismarck, je sais qu'il a du coton à échanger. Contre de la pierre précieuse. Ah ouais, voilà. Attends. Ouais, j'ai pas fait ça, Mozek moi. Mouta. Échanger. Il a rien. Coton, ouais. C'est bien, ça. Il est sérieux, lui. Pardon. Il a rien à échanger. Ah non, mais le mec, je lui demande du coton. Non, mais oh, je crois que t'arrives. Arun Al-Rashir. Oh. Si je te vends de la baleine. Contre cuivre. Ah là. Arun Al-Rashir, c'est fait. L'Arabie. Pacal. Ah mais je peux pas échanger avec Pacal, c'est vrai. Non mais attends, mais les mecs ils ont des conditions pour échanger, c'est n'importe quoi. Ouais. La Jamada. Il a rien lui. Ah il a de la soie lui. Le russe il a quelque chose. Cuivre. Ah c'est pas mal. Bien. Oui, je suis dans le. Non, mais sérieux, le type. Non, mais putain, mais. Eh, non, mais. Pff, au final, je pense que je vais même pas leur proposer des trucs. Non, mais ils ont des conditions vraiment de merde. Ah, il faut leur proposer une ressource de luxe contre une ressource de luxe. Hein. Ah, bah oui, non, mais même, attends, oh. Moi, c'est ce que je fais, hein, perso, et c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Mais moi, ça marche pas. Ils me demandent des chevaux, du charbon, des trucs en plus. Mais je crois que c'est pas pour les gars. Sel. Contre de l'or. D'accord. Tu vois, regarde, moi, je leur demande du sel contre de l'or. Que faut-il. Les mecs, ils me demandent du pétrole, du charbon, du fer, des chevaux. Ah non, mais moi, je fais directement proposer. Hein. Soit ils acceptent, soit ils refusent. S'ils refusent, ils vont se faire voir. S'ils acceptent, ah, ça ouais, va. Bah, d'accord. Ouais, bah, pas moi, ils acceptent pas. Moi. Ah bah, c'est tout bonnement inacceptable. Ouais, bah, allez vous faire foutre. Ah, mais toi, t'as des fourrures. Ah voilà. Pas d'offre est disponible ouais. Là, vous êtes sérieux? J'échange de la baleine avec le peuple arabe. Et donc j'ai un de malheur, cool. Je suis à 3 de bonheur. Cool. Ouais. Et à bientôt 8 d'uranium. Bientôt, à bientôt, bientôt, bientôt. Toi tu sers à rien. Dans un tour, j'ai un stade qui est terminé. C'est bien ça. Exactement, le stade de Copacabana en direct. Oh yeah. D'Edimbourg. Oh yeah. Avec la finale qui va opposer le Brésil au Ghana. Nous sommes en Coupe du Monde 2032. Mais tout à fait, mon cher Thierry. C'est tout ah à non, fait. Ah non, excuse-moi, je me suis trompé. C'est la Coupe du Monde, c'est en 2034. Ah ouais. Grossière erreur. En Coupe d'Europe 2032. Bah oui, bien sûr. Grave, mais oui. En Coupe de l'Anneau, la Coupe de l'Anneau, The Ring. La Coupe de l'Anneau. Dans deux tours, projet Manhattan. Ah oui, bah oui, Coupe de l'Anneau. Dans deux tours, projet Manhattan terminé. C'est cool. Le mec, il s'en contre-balle steak. Allez, on passe le tour. Allez, j'ai hâte de pouvoir faire cette petite bombe nucléaire, juste de pouvoir cliquer sur le bouton « Faire bombe nucléaire ». Oh, mon Dieu, ça va être un bonheur. Un bonheur. En plus, on va finir radar en même temps. Ouais. Kuala Lumpur a déclaré la guerre. Oh putain, j'ai oublié de bouger mon... Shit. Vous perdez de l'argent. Merci, je vois. Vous j'en suis pleinement conscience. Bon, allez, charge là. Allez, Jackie.
Fais pas tant difficile, voyons. De toute façon, on va les exploser. Allez, voilà. J'approche doucement de Kuala Lumpur. Qu'est-ce que... Quoi? Adoption de doctrine possible. Ah. Oui, yeah. Bah toi, écoute... Toi, tu sers à rien, toi. Hop, 42 heures. Toi, tu oh yes, Kuala Lumpur est devenue une nation amie. Pourquoi il y a des ouvriers japonais ici? Explique-moi. Qu'est-ce que c'est quoi le délire là? En fait, je veux ça, les gens. Moi, je veux juste ça là en commerce. Vous voyez, ça, c'est plus de bonheur pour chaque ressource de luxe. Et ça, c'est juste énorme. Ouais, ben bah, voilà. Le protectionnisme, c'est bien ce que je disais. Non. Non, non. Si, c'est ça. Hein. Dans les doctrines, tu parles? Dans les doctrines du commerce ou à la fin du commerce. Ouais, bah protectionnisme, espèce de vieux sac. Je sais de quoi je parle. Non, commerce. Ah oui, protectionniste. Bon, d'accord. Ouais. Non, gagné. Non, tu me lèches le pied. Allez, hop. Au plus vite que ça. Oh. Non, j'aime pas qu'on se fiche de ma gueule, là. Hein. Bon, d'accord. Tu... Moi, je suis en train d'explorer la carte, mon ami. Oh. Ah bon? Ah, toujours, j'ai toujours mon missionnaire perdu là-bas au milieu des bois. Ton missionnaire. T'aimes le missionnaire? Ah bah fallait le dire. Bon, je bouge mes chars et mes tanks et tout le reste. Hein. Regarde, j'ai la croisière. Ah, les véhicules terrestres, ça nécessite un de pétrole. Attends, mais je suis quoi en fait? Je devrais les déplacer par là. Ouais, je vais les encercler vers ici. Au nord, tu crois? Ouais, je vais essayer de les encercler aussi au nord de Palenque. Bah oui, bien sûr. Donc au final, je vais pas tout bouger comme un vieux sac. Ah, toi, tu vas faire des bateaux ateliers, toi, là. Coûte combien acheter un bateau atelier? Oh, ça vaut rien. Centaure. Ça ne vaut rien, parce que ça ne vaut rien. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Je vais encore faire Tu m'offres Centaure, s'il te plaît? Je sens que je vais me faire baiser. C'est pas grave. Merci. Bon, merci. Comme ça, je peux acheter un bateau atelier directement. Ah ouais. Et je peux ramener du crabe. Hein, vers Glasgow. Comme ça, ça me permettra de me conforter un tout petit peu dans le bonheur pour essayer de croître un tout petit peu. Parce que sinon... Produire de l'or. Comme ça, au prochain tour, garçon, produire un bombardier. Va faire un tour sur mon pays. Et dis-moi combien j'ai de villes qui vont évoluer là. Attends deux secondes. Je vais regarder ça juste deux secondes. J'en compte 5 ou 6, je crois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5, c'est énorme, sans déconner. Ouais. Mais t'es dans le bonheur, si là. Si ça continue comme ça, Elles sont toutes à 3, 1, 2... Je sais, ouais, mais t'as vu, dès que je suis dans le bonheur, ça grimpe trop vite, quoi. C'est abusé, ça. Tu vas me dépasser bientôt, là. Ah, bah tiens, je suis passé à 40, d'ailleurs, à Amsterdam. C'est pas ça que je voulais, c'était la démographie. T'as combien de démographie? Je suis à 52 millions. 35 millions. Ah putain, tu vas vite, hein. En même temps, j'ai construit un paquet de villes, hein. Oh, je viens de construire 4 villes. Ouais, mais moi j'aime bien quand je domine. Je suis comme ça, moi, je suis un dominateur. Bah. Eh ben, on passe le tour et puis donc, projet les Manhattan. Amis, les amis, juste pour rebondir sur ce que vient de dire l'entouplet, si vous avez une tenue en cuir, non. Une cravate, en latex, non, latex, en cuir. Des menottes en fourrure, non, en cuir, un véritable sans cuir. Des menottes en fourrure, non. Et toute la panoplie du parfait sadomaso. Ah, du parfait, hein, donc, bien entendu, voilà, donc bien entendu, les gants de ceinture, tout ce qui va avec. Oh, n'hésitez non. pas à contacter l'entouplet, il se fera un grand plaisir de vous accueillir à bras ouverts. N'importe quoi. Quelle connerie. Voilà, hein. Oh, GG, le projet Manhattan. Ouais, je sais, ouais. Ouais. Il avance pas, par contre. Vous remarquez, les gens, ça fait juste 5 tours que ce sous-marin, il est à 2 tours. Ah, t'as encore... Non, t'as encore des lanciers celtes. T'es sérieux? Et les survivants.
C'est des celtes, mon ami. D'accord. Et on a découvert le radar. Ouais. Je vais pouvoir faire eh ben, direction la fission nucléaire, les amis. Attends. Pas si vite, Jackie. Direction la fission nucléaire. Alors, promulguer un embargo à l'Allemagne. Non, promulguer un régime mondial bouddhiste. Ce sont les, tes amis, les Portugais qui ont proposé ça. Alors. Oh, j'ai encore un marchand illustre. Je sais pas du tout dans quoi engager les délégués là. Ah, attends, il y a absolument rien qui nous intéresse. J'ai pas vu moi. En passant, vous remarquez que maintenant nous avons accès aux souhaits des autres civilisations. Donc on peut voir que à promulguer en Bargolemagne, donc il y a oui de 5 civilisations, 32 délégués, non de 3 civilisations, 18 délégués. 3 civilisations contrôlant 16 délégués n'ont pas exprimé de choix. Et concernant la région mondiale bouddhisme, il y a non de 7 civilisations et oui de 1 civilisation. Donc déjà ça, je mets non, voilà, je mets sinon, même pas, je pense que nous allons engager aucun délégué ici, afin de ne blesser absolument personne. Ouh. Et afin de rester totalement neutre au niveau politique. Donc je n'engage aucun délégué. Attends, permet le transport aérien depuis ou à destination de la ville ? Ça veut dire qu'on peut déplacer des troupes, par exemple, de ville en ville par les airs ? Exactement. Oh, c'est épique, ça ! Pique, pique. Je peux faire des bombardiers. C'est comment on fait la bombe nucléaire, là ? Bah, il faut d'abord avoir la fission nucléaire, donc c'est pour ça que j'ai directement lancé la technologie, mon ami. Ah, merde ! C'est où ? Ah ouais, bombe atomique. Bazooka. Ouais, 7 tours. Putain, c'est pas encore la bombe nucléaire. Fuck. Bon, je vais faire un aéroport, du coup, ici. Cette magnifique unité de piquier celte que j'ai ici. Je vais faire un aéroport. Je pourrais m'amuser à l'améliorer, tout ça. Mais là, je crois que sur ce coup-là, je vais la dissoudre parce que, franchement, voilà, quoi. Bombardier à Groningen. Voilà. Alors, tu m'as dit quoi pour les Nations Unies, religion mondiale, je sais pas ce que c'est, le bouddhisme, embargo Allemagne. Je n'ai engagé aucun délégué. Franchement, embargo Allemagne, hein, je m'en fous. Allez, hop. Mais non, franchement, non, parce que les Allemands, on est amis avec eux pour l'instant, on échange énormément avec eux, donc non, moi, je suis pas d'accord. Bon, alors, contre la religion, d'accord. Allez, hop. Contre religion, bouddhisme, et voilà. Aïe. Ouais, mais ça, c'est ton ami... Je m'en fous. C'est même pas mon ami en plus. Elle fait style mais par derrière, hein. Bon. C'est le Portugal, quoi, hein. Nous aimons les Portugais, bien sûr. Nous aimons les Portugaises. Merci pour la rectification. Y'a pas de quoi. Oh, y'a du fer en plein. Y'a la toundra au milieu, t'es sérieux? Vous avez découvert radar. Génial. J'ai lancé les premiers bombardiers. Hein. Vas-y, lance des bombardiers, lance. Putain, non, il faut. Il faut. Dans 7 tours, on aura la possibilité de faire une bombe nucléaire. Oh, qui me parle? Ça profite des sols à ce que je vois? Non. De quoi? Non. Attends. Je parle à un pote. Le mec, on est en plein tournage, il se permet de parler à d'autres gens. Moi je dis c'est la déchéance la plus profonde, c'est l'irrespect le plus total. Voilà. Non, c'est mon poteau. Allez, avance, vieux con. Putain, je gagne plus que 87 d'or par tour. T'as le protectionnisme. Il va Oula, qu'est-ce que c'est ça? Impossible de voler à l'Arabie, nous sommes donc plus évolués que l'Arabie, les gens. Ah merde. Uxmal s'est converti au catholicisme, ça me va de moins en moins ça. Donc vous pouvez voir que la religion mondiale n'est pas passée. Vous pouvez voir que l'embargo est passé. Hein, voilà, 8 oui pour l'Arabie, 5 oui du Japon, 4 oui de Portugal, 3 oui de la.
Ah, et j'ai enfin un sous-marin ici. Je vais pouvoir commencer par explorer les mers. Ah ouais, ouais, fais ça. Ça, c'est bien, ça. Mais non. Oh, j'ai fait n'importe quoi, là. Donc ici, celui-là, je le passe ici parce que avec Sentinelle. Parce que je veux absolument voir ce qui va m'arriver sur la gueule de la part des Japonais quand on va leur déclarer la guerre. Ouais. C'est vrai, ça. Oh là là, ils me servent à rien, eux, hein, putain. Hugo Wolf, là, tu me fais chier, hein. Va falloir que je construise un truc exprès pour toi. Et le réseau ferré, vraiment, là, je... tout le sud de la map, quasiment, est ferré, là. Le jeu de mots. Hein. Quoi. Réseau ferré, tout le sud est ferré, excuse-moi, c'est un jeu de mots, quoi, que t'as fait, là. Hein. Quoi. Ben, jeu de mots, peut-être, c'est tout, hein. Oh, votre empire est réputé pour la force de son économie. Peut-être qu'un jour, acceptez-vous de partager quelques secrets avec une vieille connaissance. Genre le Pascal, comment il vient manger dans la main. J'ai envie de le dénoncer publiquement, tu sais. En mode vieux chien. Non, mais je ne dirai rien. Oh, bah, tu m'étonnes, il n'a plus le droit d'avoir aucune caravane. Forcément, il est dans la merde économiquement parlant. Bah oui, il va se prendre une grosse... Enfin, voilà quoi. Il a des bazookas. Bon, c'est rien, ça. Il va se prendre un bon... Une bonne petite... voilà, dans la gueule. Ah, pourquoi j'ai mis tour suivant, non. Heureusement que j'ai pas fini, parce que sinon... Non, on si, c'est pas bon. Plus. Si, c'est bon. En fait, si. Fausse alerte. Oh la vache, putain, fission nucléaire. Oh là là, fait chier. Ah, bah oui. Alors, Glasgow, il te faut faire tout ce qu'il faut, toi là. Qu'est-ce que ça va améliorer? La salle des sédiches, bien entendu. Serum, c'est à faire un atelier. N'a pas voulu de technologie, nos recherches sont même trop en avance sur les leurs, tant mieux. Ah, et on arrive bientôt à la fin de la première heure, là, donc on va couper histoire de. Enfin, voilà, je vais couper pour avoir une session d'une heure. Pour Audacity, pour pas que ce soit trop long non plus. Exact, exact, exact. On passe le prochain tour. Ouais, on passe ce tour-là et puis c'est terminé. Moi, je suis à 1h06 de vidéo, perso. Moi, je suis à 57. Ouais, c'est ça, bientôt 58. Alors, Bismarck et Moctezuma fait la paix avec Genghis Khan et Marie. Première, ouais, bon. Organisation se réunira dans 5 tours. Ok, pas de problème. Tilbourg réclame du sucre. Ah, les Japonais complotent contre toi. Tu t'en fous. Elle, embargo Japon, je mets 6 oui. Ouais. Ah merde, attends. Quoi? C'est où déjà qu'on voit ça là? Ah oui, diplomatie. Non. Ah oui, congrès mondial, c'est ça? Ah non, mais on peut pas. Mais embargo, je peux pas en mettre. Non, c'est dans 5 tours. Oui, tu peux. Il arrête pas de se convertir. Luxmal? C'est où? Ouais, il se convertit à une religion, puis une autre, puis encore une autre après, en bref. Ah ouais, quoi. Ouais, bah voilà, il fait sa vie, bon. Bon, bah voilà, mes troupes commencent à se positionner, hein. Je peux pas voir plus loin que ça, sérieux? Ah ouais, je peux pas aller voir plus loin, en fait. Ah, je suis à zéro. Ah, de bonheur. Je gagne 80... Oh ouais, c'est vrai que ça me ruine, les voies ferrées. Enfin, ça me ruine, entre guillemets. Bon, mon ami, ça y est, nous avons enfin 8 de... Uranium à disposition. Bien, j'en ai 4 moi. C'est cool. Moi je suis en train de me dépêcher de faire des voies ferrées parce que sinon je sens que je vais me fermer. Manger quoi? Ah, j'arrive à Kuala Lumpur. Si vous pénétrez sur le territoire de Kuala Lumpur, ce sera la guerre. Quoi? Mais attends, mais je veux faire. Comment je fais la mission commerciale? Il te faut pénétrer sur leur territoire. Hein. Mais comment je fais? Il te faut de pénétrer, t'inquiète pas, ça c'est pas la guerre. Bah si,
Bah non. Bah si, regarde. Ah non. T'es où? D'accord. Ah oui, non, d'accord, en fait, c'est... Oui, d'accord, non, j'ai le choix. Non, mais t'inquiète, ton marchand, il va bien, il y a pas de soucis, quoi. D'accord, non, en fait, ouais. Non, c'est bon, d'accord. Bon, par contre, Pascal, là, il a des trucs anti-aériens, ça me fait peur, un peu. Pascal, ça fait longtemps, moi, qui me fait peur. Même hôpital, école publique. Ah, bombardier 11 tours, non, c'est trop. Hôpital. Un zoo. J'ai besoin de bonheur, plus de bonheur, j'ai aussi besoin d'or, purée. Voilà. Bon, logiquement, je suis bon au niveau de mon tour. Ouais, moi aussi. Du coup, pile une heure, attends, on passe ce tour-là. Allez, nous, on continue à tourner, mais... moi, je pense sortir cet épisode lundi, probablement. Lundi? Ouais, demain, je vais sortir du SimCity. Ah. Tu veux pas mardi, plutôt, histoire qu'on diffuse en simultané? Ouais, mardi, si tu veux. Pas de problème. Ouais, ouais, voilà, ouais. Comme ça, moi, ce soir, je lance le montage. Et demain, l'uploadage. Tout à fait. Ah, achever la construction du grand pare-feu. C'est une merveille technologique, ça. Enfin, c'est un... Ouais, 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 ouais. Au niveau informatique et tout, là. Oui, 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 oui. Bon, on va arrêter de bouger. Donc, en tout cas, on espère que vous avez apprécié cette première partie de la session multijoueur des vacances. Hein. Putain, je ne gagne plus que 54 d'or par tour. What the fuck? T'es toujours là, Yann? Ouais, ouais, je suis toujours là. Okay. Donc, en tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et un petit commentaire. Bien sûr, allez sur la chaîne de Yalamu et mettez plein de pouces rouges et voilà. Plein de pouces verts. Enfin, l'amour de l'amour, diffusez votre amour partout. Non, c'était un peu sale là ce que je viens de dire. Ouh. Dans un sens, c'était crade. Bref, voilà, donc salut à tous et portez-vous bien. Donc, merci à vous les gens d'avoir suivi cet épisode numéro 17 de Civilization 5 en compagnie de Learn to Play. N'hésitez pas en effet, donc, comme il l'a dit, à poster des commentaires, à laisser des pouces verts, des pouces pas verts, ce que vous voulez en dessous de la vidéo. Et pour ma part, je dis également à tous les abonnés de Learn to Play de venir voir ma chaîne, bien entendu, hein, voilà, ça c'est une option. Mais je vous dis surtout, voilà, c'est le mot de la fin. Allez, salut à tous, ciao ciao. Allez, ciao ciao les gens.